Hello tout le monde, c'est Christian, je vous aime ça super bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur prise de tailleur, on est en ruée, donc on est sur votre filien pour ceux qui se demandent. Je joue donc avec la classe assaut, donc les côtés attaquants. Avec ma classe assaut je joue avec le M97 sur la C, si je dis pas de bêtises. Le Grazer M1870. La grenade incendiaire pour pouvoir donc faire chier sur les relais pour empêcher les mecs du fuse ou bien d'armer si j'ai retourné en défense. Je joue donc avec la grenade anti-char pour lancer plus loin et pour neutraliser des points qui seraient tenus par des ennemis. Et je joue avec la dynamite pour la lancer. Je ne joue pas donc avec des spécialités anti-char. Et je joue donc avec une arme de corps à corps lourde je crois. Pour info, c'est la première partie en ruée sur cette carte, j'ai jamais fait de ruée. Là on vient de marquer donc les premiers relais, les deux premiers relais ont été pétés. Hop, voilà. Alors pourquoi je joue avec le M87 sur LAC et le Grazer? Parce qu'en fait j'ai essayé de débloquer les deux 1918. Donc deux. Voilà. Parce qu'ils sont deux pompes. Oh putain. Allez vite, vite, vite. Ah putain bien joué. Ouais du coup j'essaie de débloquer, je vais vous montrer rapidement. Donc la carte est vraiment pas mal de nuit. En ruée c'est vraiment une carte qui est faite pour la ruée et c'est vraiment un gros kiff de jouer avec. Donc voilà, j'essaie de débloquer donc le modèle 1900 en usine, c'est pas 1910, c'est le 1900 du coup. Et le modèle 1900 à balles. Donc là me demande un certain nombre de kills avec le M87, donc encore 5 kills. Après il faudrait que je fasse des éliminations à la roquette anti-char en une manche, enfin 5. Et celui-ci me demande des shoots au 12G et au pistolet Grazer. Donc voilà, donc je me suis dit on va essayer de monter les deux en même temps, c'est plus sympathique. What? Il a pas pris? Il a pris aucun G. En petit 5 à 3. Et pas assez de médic par contre, c'est dommage. Donc je suis toujours niveau 116, je vais bientôt passer 117, hein, c'est pas... C'est qu'une question de temps, c'est plutôt plus un souci. Je sais pas combien il y a de relais au total hein, sur cette map, c'est la première fois comme je vous disais que je l'ai fait. En tout cas la carte se prête bien à la ruée, j'aurais bien aimé voir un mode opération pour voir ce que ça donne. Ça aurait pu être bien sympathique. Ok. Enfin, on va suivre le reste de la troupe. Ce qui est bien avec Tailleur, c'est qu'il y a pas mal de tranchées et d'endroits où protéger, c'est ça qui est plutôt cool. Hop, je redonne les ordres. On va allonger, on va faire un gros bac avec le reste de la troupe, ça peut être sympa. Ça peut, on peut tenter quelque chose. Je sais pas s'ils veulent, si on va aller armer B en premier, je pense. Alors à mon avis, là ça va débouler. Voilà. Donner un coup de main armé ce qui a l'air d'avoir du mal. Hop. Ah non putain. Et mon pote m'a même pas appuyé. Mon pote m'aurait appuyé pour le tuer. J'aurais pu jeter la dynamite et tuer ses potes qui avaient en bas. Ah là là. La mauvaise coordination de ma part je pense avec mes collègues. Ah collègue. On leur roule dessus, hein, je veux pas dire, on leur fait quand même très mal. Ah d'accord, ils sont tout un petit groupe, bande de coquinous. Okay, on va les taper A, ce serait plutôt cool. Bim. Y'a un mec en bas, tuez-le. Voilà. Ouf. Ah bien joué, bien joué, bien joué. C'était bien sympathique. Cette petite phase d'action. J'en ai quand même pas mal tué. J'en ai tué un à la sortie avant avec mon Colt. J'en ai tué un à l'entrée. Un en arrivant en haut, un en bas. J'en ai tué un bon petit paquet. Hein. Ok, c'est pas fini.
Je sais pas comment on vote les points. Ok, ça se resserre. Et bouffe le reste de la grenade. Ouais, dommage. Oh merci. Loué soit le seigneur. Ok, il y a du monde en haut de nous. Boum. Bim. J'aime mieux faire des bruitages. Nous avons armé l'objectif à la fin. T'as mais tuez-le. Ça va aller par en bas. Ah merde, putain, j'ai regardé mes médailles. Ça va peut-être cool que j'ai... Ah putain, il y a le médecin qui est arrivé. Ça va peut-être cool que j'essaye d'armer le dernier relais. Mince. Ok, tant mieux, on va essayer d'armer. Ce truc, c'est qu'après mon bonus va se tirer, donc bon... Ouais, c'est en plus je crois qu'il manque, il manque juste un truc à armer. Donc. Putain ce qu'il m'a mis. Oh. Ah ouais, il mérite de tuer. Allez, réanime-moi là ce qui. Nous avons armé l'objectif Berthe. Oh, je vais me tirer. Ouh, putain. Ah putain non. C'est la faute à pas de chance ça. Et ils arrivent à nous tenir hein, les coquins, ils nous tiennent. Par la peau et... Je vais me faire censurer après donc je vais fermer ma bouche. Tu vois là il y a trop de... Enfin les choses sont trop multiples. Le lanceur est toujours pas mort hein, dans une squad, je veux pas dire il a... Ou alors c'est peut-être un lanceur ennemi. Yes. Nous avons armé l'objectif Anatole. Général de brigade 8. Je m'en fous, c'est ça le plus important. L'ennemi a désamorcé l'objectif Anatole. Salaud. Ok, il faut qu'on y retourne. On peut pas abandonner nos potes. Bon, mais il faut vraiment qu'on se concentre cette fois. Attendez, avant de le relancer. Yes, ça c'est fini. On va passer donc au 12G. C'est lequel qu'il faut? 12G automatique étendu. Ah, c'est celui qui a plus de munitions. Allez, faut se concentrer. On va se regrouper. Tu bouffes mon petit pompe, toi aussi. Nous avons détruit l'objectif Berthe. Je vais leur casser la tête, on va les faire chier.
Non. Le petit lance-flamme c'est pas nous, donc bon, on est un peu dans la merde. Cassez-vous, cassez-vous. Putain, mais cassez-vous. Putain, foiré, va. J'évoque que dalle. Ah mince. J'espère qu'ils vont comprendre, Oh oh oh, faites la raise. Ah putain, on va la perdre. On va la perdre, celle-là on va la perdre, je pense qu'on va la perdre et ça me foutrait. Allez, faut se reconcentrer. Oh le carnage! Putain le carnage, j'ai tout fait tomber! Et c'était un carnage! Oh je les ai séchés là! S'ils avaient désamorcé, c'est vraiment qu'ils... Enfin ils ont une putain de bonne réactivité, c'est... Ah putain, bien joué! J'ai enlevé ma gueule la prochaine fois! Et ah, c'était une belle partie en tout cas, franchement, elle vaut, même si on a perdu, elle vaut quand même... Enfin, elle vaut quand même d'être en ligne, elle vaut clairement le mérite d'être mis en ligne et d'être visionné, parce que là franchement la fin, oh j'ai tué 2 mecs à l'incendiaire, j'ai tué je crois 3 ou 4 mecs à la, voilà, 3 mecs à la dynamite, il y a eu l'éboulement qui en a tué un ou deux, et j'ai fait un carton en même pas 5 secondes, t'sais. C'était bien sympathique, et franchement elle était bien sympa, je crois qu'elle était pas mal équilibrée en plus, hein. Elle était pas dégueulasse. Voilà, bah du coup on a la fin de cette vidéo, je vous invite donc à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, on va juste voir l'XP où j'en suis, je crois que je dois être vers ici à peu près là, au niveau du I, on va voir ce que ça donne. 26 000, hein, on était à 26 000, plus 7 000, ah ouais putain, ouais, bah on est même plus loin que ce que je pensais. Ah bah bien sympathique, voilà, donc je vous invite à mettre un petit like si vous a plu, à vous abonner si ça n'a pas déjà fait, à laisser un commentaire, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde.